Oui, mais je possède tout l'intent de cette ville, Monseigneur. Or, il se trouve justement... Qu'est-ce que tu attends ? Va cueillir cet idiot ? Ce crétin est un Métros. Il ne devrait même pas pouvoir marcher. Voilà. À vous et à votre ami allemande. Sinon, Rapture finira en aquarium. Thank you.
synthétiseur vocal dans les autres laboratoires pour devenir une vraie poète. Vas-y. Je sais pourquoi il faut des enfants, mais pourquoi seulement des filles? Je ne peux l'expliquer, mais c'est ainsi. Fontaine dit que ça nous évitera d'installer des toilettes en plus dans l'orphelinat. Les effets de la danse sur eux sont fascinants. Leurs cellules sont remplacées par de nouvelles souches à l'instant même où elles sont endommagées. Les enfants sont quasi invulnérables. Ah, nous pouvions faire la même chose avec un adulte. Il y aurait un gros marché pour un homme invulnérable. Fontaine est mort. C'est mauvais pour Fontaine, mais bon pour Souchong. Si je me fais désirer, et que Ryan sera impatient de me voir, Lenbaum n'est plus là, Fontaine non. C'est ici que tu trouveras le synthétiseur vocal pour avoir la même voix que les protecteurs. Quelle créature entre ton... Je dois reconnaître que Fontaine a eu une bonne intuition en se lançant dans le commerce des plasmides. Mais les ventes n'ont jamais été son fort. Il ne faut pas cacher le talent de ces fillettes. J'ai vu les premiers modèles des nouvelles machines à plasmides. Exactement ce que je voulais. Et je vous l'affirme. Présentées correctement, ces petites sœurs sont une véritable mine d'or. Allez! J'ai besoin de partir! Promis. Ne touchez pas.
Ryan a fait livrer des munitions supplémentaires. C'est ainsi. Tu dois t'attendre à des ennuis. Je les ai mis sur les lèvres du laboratoire des protecteurs. Le code est 1921. Mais je ne crois pas que nous en aurons besoin. Quand un protecteur est prêt, rien ne peut plus l'arrêter. Des protecteurs doivent être livrés ici, pas à la bibliothèque. Quelle sorte de crétin Ryan a-t-il engagé pour ce travail? Ce genre de choses n'arrivait jamais avec Fontaine. Sauver la vie.
Fontaine est un salopard doublé d'un monstre, et Ryan est un salopard doublé d'un requin. On ne peut pas réutiliser une armure de protecteur. Il faut greffer la peau et les organes du sujet directement dans l'armure, sinon ça ne marche pas. Ryan dit que les protecteurs coûtent trop cher. Ryan peut aller se faire foutre. Chose terrible. Les Japonais ont massacré tous les habitants de ma ville. Mais pas Souchong. Souchong avait de l'opium premier choix. Cette guerre aussi est terrible. Mais pas pour Souchong. Tout le monde a peur et a besoin d'Adam. Les petites sœurs n'en fournissent pas assez. Mais la guerre fait beaucoup de morts. Souchong s'est recyclé là-dedans des cadavres. Mais il ne peut pas laisser les petites sœurs sans protection. Souchong doit réfléchir. Le protecteur sent vraiment très... très mauvais. Je pourrais essayer de trouver une solution, mais les petites sœurs aiment bien cette odeur. Il faut maintenant trouver des recrues. Quand on devient protecteur, il n'y a pas de retour possible. Ryan dit que je ne dois pas m'inquiéter pour les recrues. Sir Ryan. Quel bras. Muchas gracias, señor. À votre place, je prendrai mes jambes. Et voilà le travail. À présent, tu es exactement comme c'est. Oh, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous? Bon, maintenant, les bruits. Laissez-moi tranquille! Ne compliquez pas les choses. Ne partez pas! J'aime. Votre vie, retrouver votre famille, tout cela n'est qu'illusion. Ce n'est
journal. Pauvre monstre orphelin, plongé jusqu'au cou dans une expérience scientifique qui ne tient pas debout. Tu dois les attirer hors de leur cachette pour qu'elles t'ouvrent la porte. Allez, vas-y, frappe sur l'aération avec ta clé anglaise. Avec les fillettes. J'y tiens beaucoup. Mes petites chéries. Prenez mon cœur, prenez tout! Mais ne prenez pas mon enfant! Fellow is dead.